Et bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit enfin de commencer Siphon Filter 5, du coup avec son premier épisode, après avoir fait la présentation, après avoir fait l'épisode 0, dont je vous remets le lien pour ceux qui éventuellement n'auraient pas regardé. Voilà. Donc je vous rappelle que ce cinquième opus, scénaristiquement, est indépendant des autres opus, du coup. Donc voilà, donc toute autre histoire, tout nouveau événement, donc voilà. Bref, du coup, il est temps. Profil quand même. Faut que je charge le bon. Voilà. Solo. Et donc alors, cette vidéo-là, en fait, du coup là, je vais filmer entièrement le premier épisode. On va voir si c'est trop long ou pas. Après, on verra. Du coup, si je devrais couper à certains moments pour faire. Si je vais faire l'épisode en une seule vidéo, si je vais devoir faire en plusieurs parties. Donc, on verra. Du coup, donc voilà. Donc, on va lancer le mode histoire. Allez. Je vous dis à tout de suite. Un difficile. Du point d'insertion Alpha. Bien reçu, Olimar. Gabe, on y est dans 3 minutes. Nous avons perdu tout contact avec la raffinerie il y a 6 heures. Nous ignorons depuis combien de temps la cible est sur place. Zoom, secteur 344. Stop, stop! C'est la zone d'extraction, ici. Cible? Un groupe paramilitaire appelé Red Section. Ils ont participé à beaucoup d'actions ces 2 dernières années. Qui est-ce? D'après son profil, c'est le contremaître de la raffinerie. Le lien? Pourquoi nous? Une partie de son dossier est top secret. Le Pentagone s'intéresse à lui. Ils veulent agir discrètement, rester dans l'ombre. Quoi top secret? Washington ne veut surtout pas que l'affaire s'ébruite. Il nous cache quelque chose. Dites-leur qu'on y va, mais seulement à mes conditions. Arrivée à la raffinerie dans 2 minutes. Aucun contact. Ok, plus qu'une minute. Prêt. Alima, on est paré. Ok. Pas d'interférence. Cette fois, c'est moi qui fixe les règles.
Direction 1 km. On passe en mode furtif. C'est pas vrai. On passe en infrarouge. Je m'occupe d'eux. Ne ralentis pas. Laisse-moi là et va à la tour de transmission. Compris. Rendez-vous dans 10 minutes. Liam, ça y est, je suis arrivé dans l'enceinte. Bien reçu. Gabe, ils nous attendaient. Ils étaient prêts. Oui, ils attendaient. Mais crois-moi, ils sont loin d'être prêts. Donc voilà, vous pouvez voir hein, quand même gros changement quand même au niveau de la présentation. Parce qu'habituellement c'était, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que ça arrive à voir l'avion, puis à arriver avec un véhicule, tout ça, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude dans Siphon Filter. Du coup, donc voilà, c'est un gros changement du coup, mais en même temps c'est une bonne chose je trouve. Donc voilà, puisque au final nous sommes quand même faisons quand même partie d'une agence gouvernementale, donc du coup nous avons quand même les moyens d'avoir ce genre de choses, donc du coup ça paraît normal. Et en même temps c'est cool à la fois, parce que du coup là, la cinématique est pas mal. Attention, système d'alarme automatique activé. Teresa, on a un problème. Le système d'alarme est activé. Regarde la colonne. Tu vois un jet de flamme ? Négatif. Pas de jet de flamme. Ça veut dire qu'ils ont fermé la valve d'évacuation. La pression dans la colonne va bientôt atteindre un niveau critique. Tu dois ouvrir cette valve, Gabe. Ok. Intrusion à la porte sud ! Envoyez des hommes ici ! Un sniper. Je dois l'éliminer avant qu'il n'appelle des renforts. Donc là. Donc, du coup, nous y sommes. Enfin. Red Junk, rapport de patrouille. Le chef de l'unité a stoppé l'intrusion. Terminé. Super. Voilà. On récupère la carte. Alors déjà, avant d'aller par là, qui est tout simplement en fait la suite de la mission, on est déjà allé par là. Voilà, ça se trouve. Intrusion confirmée, cible en vue. Non. Voilà. Ah, super. Donc là, du coup, on va essayer de récupérer les deux premiers dossiers. La première preuve cachée, on va dire. Bon, allez, tu vas descendre, toi. Yes.
Donc le premier avec la carte qu'on vient de récupérer. Bon. Non, c'est peut-être après qu'on va se faire attaquer. Hop. Vision nocturne. On récupère un kit. La grenade ici. On va prendre un fusil à pompe. Et on a une première preuve ici. Alors chaque partie d'épisode possède chaque trois preuves cachées. Donc là on va récupérer la deuxième. Donc là je vous rappelle du coup, enfin j'ai oublié de vous dire, mais du coup Christophile par un commentaire m'a demandé dans les épisodes dans les descriptions de la vidéo d'annoncer à quel moment finit les parties les différentes parties et où elles commencent du coup. Donc du coup dans les descriptions je vous mettrai ça, mais en même temps par vidéo je vous le dis. Donc là du coup en l'occurrence évidemment nous sommes dans la première partie de mission. De toute façon après repérer les parties c'est assez simple en fait, puisqu'il va y avoir un briefing tout ça, donc voilà. Bon après c'est surtout pour éventuellement si ça peut aider, donc bon, tout ça c'est fait. Alors, je crois, si je me cours pas, qu'on peut passer par là, ouais, pour rejoindre la suite du niveau. On peut passer par là, en grimpant. Du coup, mais comme j'ai envie de désinguer du personnage, bah, je vais prendre le chemin habituel. C'était quelle touche, on pense qu'on est contre un mur. Hop. Ah, vous pouvez vous entendre. Certains petits commentaires. Du coup, dans la maison plus. Vision thermique. Yes. On arrive! On est en route! Feu! Alors, dans toutes les missions bonus, je vous les mettrai quand j'aurai fini ces fonctions évidemment. Il est là! Allez-y! Donc, elles seront vraiment. Je les ferai vraiment à tout. Bon voilà, du coup, munitions, super. Oui, t'inquiète pas. Gabe, il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Les lunettes LDE. Utilise tes lunettes de détection électronique. Voilà. Liane, je me dirige vers le puits de distillation. La troisième preuve cachée. RAS, je cherche toujours la tour de transmission. Je te tiens au courant. Il est quelque part par là! Je reste ici! Fouillez toute la zone! Dans la tête, c'est bon. Donc voilà, donc cette première partie-là, avec l'épreuve, c'est fait, il ne reste plus qu'à la finir. Il y a les personnages qui se cachent, donc on va juste le repérer. Il est dans le puits de distillation. Mets-toi en place, s'il te plaît. Merci. Hop. Donc là, on avance tranquillement. Enfin, tranquillement, sans me parler. Là-bas, sur la passerelle. Donc là, comme je joue en mode difficile, ils prennent en compte les tirs que je fais à la tête. Du coup. Donc voilà.
très con. La colonne commence à être instable. La pression est au maximum. Ouvre la valve. Liane, la route est coupée. Tu devras m'envoyer une tyrolienne quand je serai en position. Compris. Je me tiens prête. Ça, je vous explique. J'ai toujours pas fait. À tout le personnel. Pression de la colonne de distillation en cours de stabilisation. Alors les parties en fait sont pas longues. Stabilisation. Teresa, la pression est stable. Liane, au rapport. Où en est la collection? La tour de transmission est HS. Je vais l'installer sur la tour Hertzienne. J'approche de ta position. Je pense que c'est surtout ça qui me fait perdre du temps. Bien reçu. Je te couvre d'ici. Ennemi en vue. Hop. Faut que je l'ouvre. À moins que celle qui ouvre, je sais plus. Oui, faut que j'informe aussi. Je peux y aller. Donc voilà, alors en fait, vous pouvez voir qu'il y a des caisses. Vas-y. De munitions. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 4. Il y a 4 caisses pour. Donc, du coup, on peut utiliser ça que 4 fois. Donc voilà. Donc, quand je recharge, vous allez voir que c'est disparu. Et ainsi de suite. Pour l'instant, j'utilise pas mes fléchettes parce que j'en ai pas des masses. Ça a utilisé vraiment à bon escient. Quoi. On peut avoir des moments où on peut vraiment en avoir plus besoin que d'autres. Yes. Donc c'est bon. C'est bon, allez! Abattez-la! Ah. C'est bon. Je bouge. Je veux voir mes ennemis. Liane, vas-y. Ok. Attrapez-la. Connexion terminée. Attends, je t'envoie une tyrolienne. Je suis prêt. Teresa, rapport. Chargement en cours. Donc voilà, là on arrive déjà à la fin de la partie. L'un d'entre eux utilise un nom de code, Red Jack. Regarde ce que tu as sur lui. On attend la tyrolienne. Super. Une autre base d'opération? Je ne sais pas, mais j'ai un contact radio dans la raffinerie. Ils emmènent un otage dans les tunnels de service. Je ne sais pas s'il s'agit de Freeman. Transmets les coordonnées hors site à Liane. Je vais dans les tunnels de service. C'est parti. Liane. Je sais. Alors, pour info, Liane sera jouable, ça sera pas des masses, elle, qu'on interprétera. Ça sera nettement plus Logan. Pour info. Donc voilà, donc là on va attaquer la partie 2. Hein, comme vous pouvez voir, c'est assez simple à repérer. Petit débriefing du coup, à chaque fois.
Donc ça c'est simple. Du coup, donc épisode 1, partie 2, Red Jack. Teresa, je suis au niveau du puits de l'ascenseur. La Red Section a bloqué toutes les commandes des ascenseurs. Utilise l'ordinateur de la salle de sécurité pour les réactiver. Ok. Ne l'installe pas à côté du camion! Pas le temps de la déplacer! Quelqu'un vient! Ok. Thermique, il faut que je vois où ils sont. Un moins. On a une citerne ici. Ah bah faut savoir utiliser l'environnement. Du coup, changer d'arme, je prends le spectre. Contact visuel, par ici. Voilà. Donc ouais, j'ai oublié de vous dire, mais sur le CTR, oui, je peux tirer, je peux tirer. Donc déjà, avant, on a... je vais me soigner. Déjà, voilà. On a une première preuve ici. Première preuve cachée. Je reviens ici parce que du coup, je vais en profiter pour faire un peu le ménage. Ça va pas m'aider. Hop. Envoyez des renforts. Merde, loupé. Oui, on a compris que j'ai loupé. Merde. On va être fou d'elle, caray. Hop. Que quelqu'un me couvre. Super. Hop. Du coup, alors la deuxième preuve est ici. Car toutes les preuves, en fait, je vous préviens, ne seront pas des dossiers. En fait. Donc du coup, voilà. Teresa, j'ai trouvé un corps. C'est pas un terroriste. Un employé de la raffinerie? Non. Je connais cet homme, Jack Miller, de la NSA. Mais qu'est-ce que la NSA vient faire ici? Je vais voir si je trouve quelque chose. Reste discrète. Il y a peut-être d'autres raisons pour qu'on nous ait envoyés ici seuls. Ok. Miller a une carte d'accès sur laquelle est marquée B1. Elle va peut-être m'aider à trouver des réponses. Ok. Terminé. Donc apparemment, la NSA... Enfin, si, enfin, il le montre en tant qu'icône, mais sinon, c'est pas vraiment un dossier, quoi. Du coup, nous, j'ai récupéré la carte d'accès, donc du coup, je vais pouvoir aller là. Récupérer le dernier dossier. Si j'ai un gilet pare-balles. Et voilà. Teresa, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Une boîte pleine de bons de commande, cachée dans cette remise. C'est comme j'aime. Quelque chose de spécial? Oui, à moins qu'on trouve souvent des lampes à rayons ultraviolets et des cuves hydroponiques dans une raffinerie. Le tout signé par William Chrysler. Je vais voir ce Alors, que je peux trouver. Pour Terminé. Info, les fléchettes, normalement, de notre fusil, on les récupère à chaque partie. Du coup, donc j'en ai trois actuellement. Savoir que si je m'améliore avec le tir tactique... du coup, j'aurai la capacité au bout d'un moment de débloquer de nouvelles flèches en plus, mais il faudra que j'aille dans le mode mission pour les utiliser. Donc voilà. Le mode histoire, je suis obligé d'en avoir 3 par fléchette. Du coup, donc, voilà. Je vais par là, c'est plus sécurisé. Hop.
Je m'en occupe. Ils m'ont eu. Entre les deux yeux. Alors si je redescends, il va y avoir des mecs qui vont apparaître, donc du coup je préfère ne pas redescendre maintenant. Donc, voilà. Il y a une caisse pour récupérer, pour recharger. Qu'est-ce que tu fous discret. Je connais pas ce fichu. Code. Jet explosif. Teresa, je suis devant la console de sécurité. Rien. Essaie avec tes lunettes de détection électronique. Remonte le circuit jusqu'à l'interrupteur manuel. Je l'ai trouvé. J'essaie. Maintenant. Il est dans la salle de sécurité. Couvre-moi. Il est mort l'autre. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Ça me paraît étonnant. Ah non, la porte est fermée, d'accord. Bah apparemment il est mort. Je l'ai tué. Ok. C'est cool. Eh, hey, je t'ai eu en pleine tête. Ah ouais, merde, il tire une fléchette. Quel con. Bon, en tout cas, c'est sur une fléchette explosive dans la gueule, il est pas prêt de vivre le mec. Hein. Du coup, on va kiffer. Un ennemi vont débarquer. Enfin, plein d'ennemis. Ça, ça me paraît. Évidemment. Non, je ne montrerai pas, ok. Ah, est-ce qu'il pop dans la salle où il y a la j'ai récupéré la dernière preuve en fait. Il pop à partir de là. C'est ce que j'appelle une zone de popage, tout simplement. Tout qui va rien me dire. Voilà. Et là, on va rencontrer un nouveau personnage. Du coup, qui fait quand même bien référence à un personnage très qu'on a connu dans la trilogie.
Black King, ici Red Jack. Je l'ai. Alors tu le. Tu compromets toute l'opération. Red Jack porte une sorte de combinaison en Kevlar. Les balles ne le blesseront pas. Il va bien falloir que tu sortes un jour ou l'autre. Et ouais. Anton Gear 2. Où Freeman est-il détenu? Est-ce que tu dis? Je puisse le suivre tranquillement. Et cet explosif ne me reste pas tout seul. En fait, il faut que je puisse tirer dans, dans sa bonbonne. Donc, comme j'ai réussi pour Anton. Qu'est-ce que tu fais là? Encore des questions? Je sais, je dois viser le réservoir dans son dos. C'est toi le chef? C'est un interrogatoire? Dis-moi pourquoi t'es là? À ton avis? Alors on peut l'avoir très plus facilement du coup, mais le problème c'est que comme j'ai plus de fléchettes, trop explosif. Du coup je perds beaucoup de temps. Pour qui tu travailles? On peut négocier. Et voilà. L'interrogatoire est fini. Teresa, le nom de code Red Jack est mort. Teresa, je suis dans l'ascenseur de service. Tu es à la position du nom de code Black King? Je cherche. Liane, à toi. Teresa, j'ai perdu le contact avec Liane. Tu as des nouvelles? Ils doivent fin de la deuxième partie. Dis-moi dès que tu as des nouvelles. J'avance. Et on va commencer la troisième. Nouvelle arme débloquée. Échelon difficile. Ah, et encore, je me débrouille parce que du coup, je sais quoi, ce qu'il faut faire et tout, donc je connais assez bien le jeu. Donc voilà, mais sinon, j'y galérais un peu quoi, au début, donc croyez-moi. Après, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Hey Jack, c'est toi? Comment ça se passe là-bas? Hé, hey, je bosse sur le courant, alors ne touche surtout pas à l'interrupteur. Teresa, j'y suis. Si tu arrives à me connecter au réseau de Kemsynth, je pourrai accéder au dossier personnel de Freeman. Compris. Où je vais? Le bureau de Freeman est au premier étage. Tu arrives par derrière, tu ne devrais pas rencontrer trop de résistance. Alors, tu m'as dit de surtout pas appuyer sur l'interrupteur. Eh bah écoute... Donc voilà, donc mort avec l'environnement. Il y a une arme qu'on peut prendre, mais bon. Du coup, hop, le CTR. On fait attention à partir de là. Hop. Du coup, gentil, une petite cinématique en plus. Voilà. C'était la petite cinématique en plus. Très vachement utile. Alors. Hop. J'aime bien couper les ventilos. Ça... Je sais pas pourquoi. J'aime bien faire ça. Je trouve ça drôle. Alors, il y a du feu malheureusement. J'ai pas réussi. Yes.
Vision nocturne. Carré fait noir. Donc on récupère la Teresa, première preuve ici. Il y a une boîte de matériel hydroponique ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vais voir ce que je trouve. Rien d'autre? Pas pour l'instant. Terminé. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un code que je vais utiliser dans pas très longtemps. Un gilet pare-balles. S'il y a besoin. Voilà. J'aime bien tirer sur les ventilos. Yes, c'est bon. Saloperie! C'était mon dernier dollar! Ah bah ça c'est con. Lui je vais me le faire à ma main. Saleté de machine! Ah les machines. Elles ont ce don pour nous mettre facilement en boule. J'essaie de réparer cette fichue télé. Allez, capte quelque chose, bordel. Grouille, j'ai parié 50 euros. Il s'engueule, quoi. Blanc sur cette partie. Alors que je viens de le tuer. Je vais essayer le panneau frontal. Ah mon dieu. J'adore. Ah mais moi je m'amuse avec eux. C'est très bien pensé. Je m'appelle la fléchette d'été. J'attends qu'il se ramène, du coup. Ah, c'est très bien fait. Moi, je m'amuse à chaque fois ici, donc... à chaque fois. Entre le mec avec le flipper, eux que j'ai avec la télé... Ah non, mais c'est vidéo gag, quoi. Je vous jure, c'est vidéo gag. Bonne nuit. Récupère la clé. Alors savoir que s'il donne l'alerte, il y a plein de gardes qui arrivent. Donc là on a la deuxième preuve. On peut fouiller quelques casiers. On peut trouver de la vie. Il y en a un autre, on trouve un gilet pare-balles. Et le casier, du coup avec le code 938 contient la dernière preuve, simplement. Donc voilà, 3 sur 3 pour la troisième partie de mission. Donc voilà, et c'est déjà la fin de la troisième partie. Et oui, c'est aussi rapide que ça. Teresa, je suis au niveau de l'ascenseur de sécurité. Le bureau Tweeman est à l'étage suivant. Tu entres dans une zone sécurisée de Kemsint. Je suis prêt. Toujours pas de nouvelles de Liane ? Rien. Merde. Et voilà, nouvelle arme. C'est magnifique. Je suis trop fort. Donc, me voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dis? J'ai ma capture qui a planté. Donc, à partir du chapitre 4, du coup, donc voilà. Donc, voilà. Du coup, donc, partie 4, un homme sans pouvoir, du coup. Salut. Oh merde! Envoyez des renforts! Envoyez des renforts! Et la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ne bougez pas et ne le lâchez pas!
Et voilà. À quoi pour me gaspiller des munitions s'ils peuvent mourir comme ça? Alors, à savoir ici, il y a la première preuve à récupérer. Du coup, j'ai déjà récupéré trois preuves dans cette partie-là. Donc, du coup, je suis obligé de vous les redire. Donc, première se trouve dans ce coin-là, cachée juste ici. Non, pas de lunettes à vision. Hop. Je suis de l'autre côté. Ne le laissez pas passer. Bouge pas surtout. Désolé, petite photo de famille. Hop. Cool, les lunettes LDE. Parce que là, je peux être chez par l'environnement juste ici. Bon moment. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En l'occurrence, c'était pas bon. On va faire ça à l'ancienne. Avec des bons vieux headshots. Donc, allez. Ici, on a la deuxième preuve. Du coup, à récupérer. Et la troisième n'est pas très loin. Vous allez voir. La troisième preuve se trouve juste ici. À nos pieds. Donc, du coup, voilà. Comme je les ai déjà récupérés, du coup, ça ne s'affiche pas. Mais c'est ici qu'on les récupère. Du coup, donc, je vous ai montré les trois. Donc, voilà. Je vais peut-être changer d'arme. Fusil à pompe. Allez, next. Fais-nous entrer dans la salle des serveurs. Et vite, sinon je te bute. Impossible. C'est verrouillé par un système de reconnaissance d'empreintes. Ça marche à l'électricité. Alors emmène-moi dans le local électrique. Tu vas rétablir le courant. Vous deux, vous restez ici et vous continuez à chercher. On vérifiera les serveurs quand le courant sera rétabli. Allez, c'est parti! Près de la fenêtre! Alors, ils vont repérer. Voilà. J'ai peur balle, des armes. Hop, on peut le déplacer. Et vous pouvez voir un coffre. Sauf qu'on n'a pas le code. Gabe, c'est un coffre électronique. Il ne peut pas s'ouvrir sans courant. Ah bah ça c'est bon. Hop. Et ouais, c'est ça être intelligent. Enfin, intelligent façon de parler.
Et n'importe qui peut le faire. Dégage-le. Et oui. Vous pouvez pas test. Je suis trop fort pour vous. Alors ça, je le fais parce qu'en fait, ça me permet d'avoir possibilité de bien profiter du niveau. Faudrait que je récupère du jet par balle par contre. Alors on arrive déjà à la fin de la partie 4, hein, honnêtement. Les parties sont très courtes, je vous l'ai dit. Mais une fois toutes réunies, ça peut être un peu plus long. Putain, mais quel con. Je suis blonde ou je suis blonde? Je suis blonde. J'avais oublié que j'avais mes fléchettes explosives, quoi. Putain. Ça, c'est un truc qui me fait énormément des fois. Je fais pas attention aux fléchettes des fois. Ça, c'est je nombreusement me faire avoir. Je fais ce que je forcément peux. Désolé. Contente-toi de redémarrer ces foutus circuits. Faites-le vous-même si vous trouvez ça si facile. Je ne peux pas aller plus vite. Je ne veux pas faire griller toute l'installation. Merci. Merci. Ces types sont fous. Ils tuent tout le monde. Écoutez-moi, je dois rétablir le courant. Ok, ok. Mais j'ai besoin d'aide. Reconnectez les circuits pendant que je configure les lignes de sortie. Vous voyez ces voyants? Réparez chaque circuit jusqu'à ce que tous les voyants soient verts. Il y a 3 séries de voyants. Donc voilà. Alors du coup, on va allumer 3 trucs. Vous avez rétabli les routeurs? Je suis en train de le faire. Je suis encore en train de configurer les lignes de sortie. Bon, ça y est presque. Ces 2 leviers doivent être tirés en même temps. Prenez celui-là, je me charge de l'autre. Prêt? 1, 2, 3. Yes. Et voilà, fin de la 4e partie. Eh, je vous ai dit, mais c'est très court. Enfin, l'épisode, le premier épisode est long. Parce qu'il a réuni les 4, les 3 premières parties, en fait. Du coup, donc, voilà. Donc, épisode 1, 5e partie, les fichiers de Fryman. Simplement. La 5e partie qui sera pas non plus très longue, comme les autres. Ça y est, le courant est revenu. Maintenant, je dois trouver la salle des serveurs. Je viens avec vous. Je peux vous faire rentrer dans la salle. Red Section Charlie, vous avez rétabli le courant, au rapport. Bon. Red Section Charlie, au rapport. Ici Red Section Charlie, RAS. Ok. Et ben on va rencontrer à un moment donné ce fameux roi son noir. Ou ce noir roi. Non, roi noir. Qu'est-ce qu'on attend? On nous a dit d'attendre, alors on attend. On a qu'à se tirer. À couvert. C'est bon. Alors. Ça s'appelle de la magie. Restez avec moi. Okay. Donc on va monter. Oui, enfin, je récupère après. Quand il veut. Hey, c'est moi qui ai installé ce coffre. Je peux vous donner le code. Voilà le code. 4. 1. Teresa, j'ai trouvé un code d'accès. Ne le perds pas. Les dossiers de Fryman doivent être protégés par un mot de passe.
Donc on se bouge. On va récupérer la première preuve de cette partie. Qui se trouve là. J'ai la pare-balles. Toujours utile. Non. Hop. Tu peux m'ouvrir si ouvrez tu peux ça. Pas, merci. C'est bon. C'est fait. Moi, ce qui me fait délire, c'est quand ils gardent son sérieux. Je trouve ça trop délire. Je fais ça, ils gardent son sérieux. Genre, c'est normal. Alors, la deuxième chose de cette partie-là se trouve juste ici. J'ai entendu un des types parler d'une serre. Une serre, vraiment? C'est sur les données de ses lecteurs? Aucune idée. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une serre dans une raffinerie en Alaska? Ils font peut-être pousser des petits pois ou des tomates? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ouais, c'est bizarre. Ça doit être ça. Des tomates. J'arrive pas à croire que Singularity nous ait envoyé ici pour ça. Oublie pas qu'on a une mission. Continue de chercher ces données. J'aurais pu me faire repérer du coup. Enfin, le fait que je me fasse repérer là, ça change rien, mais. Bouge ton cul. J'ai juste. Alors, du coup, on a une clé de casier ici. Ah oui, on a un casier qui est fermé, j'ai oublié de vous le dire. Non, je sais plus si je vous l'ai dit. Du coup, mais... Donc voilà, donc c'est des grenades. Du coup. Tu me suis? Suivez-moi. Ok. Merde, le serveur est déconnecté. La panne de courant a dû couper certaines lignes du réseau. Donnez-moi un coup de main, je ne peux pas redémarrer ces lignes manuellement. Hop. Donc on va le suivre. Du coup, alors ces déplacements sont totalement aléatoires. Essayez de pousser l'interrupteur de celui-là. Donc ça peut être n'importe quel des six interrupteurs. Du coup, on va. Essayez d'activer celui-ci. Parfait, celui-là fonctionne. Le dernier. Qui va être celui-là. Appuyez sur l'interrupteur de celui-là. Ok, c'est bon. On les a tous faits. Le serveur devrait à nouveau fonctionner. Et là, malheureusement. Hé, hey, y a quelqu'un dans le conduit. Tuez-le. Je suis touché. Non. C'est pas vrai, dis voilà. Ouf. C'était moins une. C'est fait. Alors, je peux le soigner, donc. Je suis gentil. En même temps, je suis le héros. Je suis sur l'ordinateur interne. Nouvelle connexion installée. Gabe, au rapport. Liane, nous avons perdu le contact. De la Red Section. Ils ont un LC-130 et ils bloquent les transmissions radio. Je suis dans la salle des serveurs de Kemsynth. Il manque trois lecteurs de données. Regarde s'ils ont été chargés dans l'avion. Compris. S'ils sont ici, je les trouverai. Xing, terminé. Gabe, j'ai quelque chose. Toute une zone de la raffinerie est en accès restreint, autorisée uniquement à certaines personnes. Oui, d'ailleurs, c'est juste à côté. Ils l'appellent le secteur sécurisé D. C'est par là que vous devez passer pour aller dans le bureau de Chrysler. Montrez-moi. Ouvrez cette porte. C'est bon. C'est fait. Je le vois. Oui, vous me voyez. Et c'est dommage pour vous.
quelqu'un me couvre. Prends ça. Ah, oh, genre, il évite. Donc voilà, ici on a la troisième preuve. Donc voilà, surtout que là c'est un épisode complet que je viens de récupérer du coup. Donc j'en ai bloqué en plus un niveau bonus. C'est magnifique. Du coup. Donc j'ai fait preuve de talent. Je vous le dis. Restez avec moi. Peut-être faire le... plein de munitions. Alors je peux pas faire le plein de fléchettes hein, malheureusement. Non, ça va être bon. Ok. Ouvrez ça, c'est bon. Eh, c'est l'entrée du secteur sécurisé D, je n'ai pas l'autorisation pour ça. Eh, attendez, il y a un conduit ici. Vous pouvez rentrer par là. Non, bah, je l'ai. Allons-y. Merci donc, pour voilà. Le coup de main. Débrouillez-vous maintenant. Et voilà, donc, fin de l'épisode. Teresa, je suis presque dans le secteur sécurisé D. Je ne pense pas pouvoir y arriver par le conduit. Il y a un autre moyen de contourner la sécurité? Négatif, Gabe. Tu peux faire sauter le verrou? Ok, mais ça va me prendre du temps.